Chers amis de la pensée positive, bonjour. Pour ce troisième cours sur la pensée positive, nous allons effectuer ensemble un exercice de visualisation créatrice que j'ai intitulé Métaphore, amour et sagesse intérieure. Alors, quelle est la différence entre la visualisation créatrice guidée et la méditation guidée? À la vérité, il n'y a pas de délimitation, de frontière précise entre ces deux domaines. On pourrait aussi bien placer la métaphore de l'amour et la sagesse intérieure dans la rubrique méditation guidée que visualisation créatrice, peu importe. Donc, pour ceux qui, par hasard, tomberaient sur cette vidéo, donc je vous signale que c'est le troisième cours de pensée positive. Il y a deux vidéos avant. Je m'appelle Jean-Michel Homo. Donc, je suis coach de vie à Mazamet. Donc, je pratique, entre autres domaines, bien sûr, le coaching. Coaching, c'est quoi? C'est un mot dérivé de l'entraînement sportif qui a été repris pour d'autres domaines désormais. Coaching de vie, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, vous accompagner dans le changement. J'effectue également des séances de soins énergétiques, de magnétisme pranique à Mazamet, toujours. J'effectue des consultations voyance par tarot et également des lectures d'aura et des chakras directement sur la personne, sans appareil, par perception directe, lecture de l'aura et des chakras de la personne. J'effectue également des relaxations profondes qui ont pour but la réharmonisation des chakras. Je fais voyager les personnes dans leurs chakras. J'effectue également des relaxations profondes pour la visualisation créatrice, la pensée positive, les transformations positives dans son existence. Également la relaxation profonde avec régression de vie antérieure en vie de réharmonisation. Je suis également praticien en EFT, Emotional Freedom Technique, entre autres pratiques. Pour résumer, en gros, je donne des conférences à Mazamet et dans différentes villes de France. J'anime différents stages sur différents sujets, que ce soit la pensée positive, la visualisation, le voyage astral, contacter ses guides spirituels. J'ai écrit un ouvrage, la Bible de la pensée positive, qu'on peut commander sur Internet, sur le site www.thebookedition.com, rubrique développons. En gros, voilà, pour résumer. Donc, pratiquons ensemble maintenant. Donc, vous vous placez dans une position confortable, favorable à la détente, et à la visualisation. Vous êtes dans votre fauteuil, les paupières closes, les bras, si possible, les mains posées sur les cuisses, paumes tournées vers le haut, ce n'est pas obligatoire, et vous vous abandonnez progressivement à une impression générale de détente, de lâcher prise, de relaxation profonde. Vous abandonnez le bras droit à la lourdeur, à la pesanteur, le bras droit très lourd, très pesant. Vous abandonnez la jambe droite à la lourdeur, à la pesanteur, la jambe droite très lourde, très pesante. Vous abandonnez la jambe gauche à la lourdeur, à la pesanteur,
la jambe gauche très lourde, très pesante. Vous abandonnez le bras gauche à la lourdeur, à la pesanteur, le bras gauche très lourd, très pesant. Vous abandonnez les épaules à la lourdeur, à la pesanteur, les épaules et le cou totalement détendus. Parfaitement détendu. Vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux, le front. Tout le visage détendu, tout le corps détendu. Et au niveau de l'espace situé au-dessus des sourcils, par devant le front, vous percevez un ciel bleu sans nuages. Un ciel bleu sans nuages. En dessous, un paysage campagnard. L'herbe est verte. Au loin, vous entendez le chant des oiseaux. Et vous marchez sur un petit sentier qui parcourt la campagne. Vous marchez, vous êtes dans une atmosphère paisible, calme, tranquille, et vous continuez de parcourir ce petit chemin qui traverse la campagne. De chaque côté du chemin, vous percevez des buissons de roses de différentes couleurs. Vous sentez le parfum des roses. Et vous continuez de marcher sur ce chemin. Et au loin, vous voyez une silhouette apparaître. Vous vous rapprochez de ce personnage. Et en vous rapprochant de ce personnage, vous ressentez comme une ouverture du cœur à l'intérieur de vous, avec une impression joyeuse, agréable. Et bientôt, vous prenez conscience qu'il s'agit du Maître Jésus, qui rayonne un amour chaleureux tout autour de lui. Et vous sentez cette aura chaleureuse, bienveillante, vous pénétrer intérieurement. Vous saluez le Maître Jésus et vous ressentez que ces énergies sont favorables pour soutenir votre pardon. Vous pardonnez à vous-même et pardonnez à autrui, selon les différentes circonstances que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Donc, je vais vous demander maintenant de choisir quelques circonstances particulières de votre vie où vous estimez que vous avez besoin de vous pardonner vous-même et de pardonner à d'autres. Vous choisissez quelques circonstances. Au début de cette pratique, les premières séances, je vous conseille de choisir des événements pas trop durs pour pardonner. Avec l'entraînement, vous pouvez prendre des circonstances de votre vie beaucoup plus exceptionnelles, beaucoup plus dures. Donc, vous choisissez deux ou trois événements et
vous choisissez un événement léger en premier et vous vous dites intérieurement, au nom du Christ, je me pardonne et je pardonne à un tel, donc vous rajoutez le nom de la personne, pour telle situation. Et vous décrivez très sommairement la situation. Donc, au nom du Christ, je me pardonne et je pardonne à un tel pour telle situation. Il en est ainsi. Et vous prenez conscience que dans votre cœur, il y a comme une porte qui s'ouvre, une ouverture, je dirais un allègement. Puis vous passez à une deuxième situation. Au nom du Christ, je me pardonne et je pardonne à un tel pour telle situation. Et vous sentez l'allègement dans votre chakra du cœur qui s'amplifie. Bien sûr, vous avez dit je pardonne à un tel, mais il peut s'agir d'un groupe de personnes, de plusieurs individus, etc. Et vous prenez une troisième et dernière situation. Au nom du Christ, je me pardonne. Et je pardonne un tel pour telle situation. Il en est ainsi. Vous sentez cet allègement du cœur, cette ouverture du cœur. Alors, si une situation est trop difficile à pardonner, vous pouvez imaginer le Maître Jésus qui se place derrière vous, mettant ses mains sur vous, posant ses mains sur vos épaules, et c'est lui qui envoie le pardon à travers vous. Donc dans ce cas-là, vous imaginez le Maître Jésus qui pardonne à travers vous. Au nom du Christ, je me pardonne et je pardonne à un tel. Pour telle situation. Il en est ainsi. Vous remerciez le Maître Jésus, vous le saluez et vous continuez, vous poursuivez votre chemin. Le paysage change. Bientôt, de part et d'autre du chemin, vous percevez des étangs avec de magnifiques fleurs de lotus qui en émergent. Vous sentez le parfum des fleurs de lotus. Vous êtes réjoui de ce magnifique paysage. Vous continuez votre chemin. Et bientôt, au loin, vous voyez une silhouette apparaître de nouveau. Vous vous en rapprochez. Et vous avez une impression dans votre front, une impression de légèreté dans votre front, d'ouverture dans votre front. Et maintenant, vous percevez plus précisément ce personnage. Il s'agit du Bouddha. Vous vous en rapprochez. Vous le saluez. Et là, vous prenez conscience que pour éveiller votre vue pénétrante qui voit, qui perçoit au-delà des apparences, il vous faut prendre
conscience, du sens, du pourquoi de tel ou tel événement, épreuve dans votre vie. Donc vous choisissez deux ou trois événements importants de votre vie, mais là c'est pareil, c'est le début de l'entraînement, vous pouvez choisir des événements pas trop forts, pas trop durs pour vous. Et vous vous concentrez sur l'espace du front, du troisième œil, Ajna Chakra, entre les deux sourcils, légèrement, sans crispation. Et en même temps de vous concentrer en cet endroit précis, vous dites au nom du Bouddha, je prends conscience du sens de cet événement. Om Shanti. Au nom du Bouddha, je prends conscience du sens de cet événement. Om Shanti. Et vous choisissez un deuxième événement, deuxième épreuve, en quelque sorte. Ce n'est pas forcément éprouvant. Au nom du Bouddha, je prends conscience du sens de cet événement. Om Shanti. Vous choisissez un troisième et dernier événement pour cette séance. Et là, si c'est un événement plus fort, plus dur, vous pouvez imaginer le Bouddha qui se place juste en face de vous, place ses mains sur le sommet de votre crâne. Vous sentez une sorte d'ouverture au milieu de votre front. Et vous répétez intérieurement, au nom du Bouddha, je prends conscience du sens de cet événement. Om Shanti. Puis, vous remerciez le Bouddha, vous le saluez et vous continuez votre chemin. Alors, le paysage change une fois de plus. Le paysage devient plus vallonné. Et le chemin vous mène vers le sommet d'une petite colline. Vous montez sur cette colline et au loin, au sommet, vous percevez la silhouette d'un personnage assis au sommet de la colline en posture de méditation. Vous vous dirigez vers lui. Et surprise, vous vous apercevez que ce personnage vous ressemble beaucoup. Mais il a l'apparence d'être animé d'une énergie intérieure, d'une vitalité intense, et d'être dans une éternelle jeunesse. Il s'agit de votre moi futur, parfait, votre moi futur parfait. Vous le saluez, vous vous asseyez devant lui. Et là, vous pouvez lui poser quelques questions essentielles pour vous
du type quelle est ma mission de vie sur Terre? Que dois-je travailler en priorité? Que dois-je corriger en moi en priorité? Quelques questions vraiment essentielles. Je vous laisse quelques instants en compagnie de votre moi futur parfait afin d'obtenir réponse à quelques-unes de vos questions essentielles. Sachant que la réponse pourra se faire soit sous forme de phrase entendue, soit sous forme d'un texte que vous pouvez lire, soit sous forme simplement d'une impression subtile, d'un sentiment d'évidence, ou d'image plus ou moins symbolique. Ou même si vous aviez simplement l'impression d'avoir obtenu aucune réponse, vous pouvez obtenir des signes-réponses bien après que soit terminée cette séance de visualisation créatrice. Donc je vous laisse quelques instants poser vos questions. Bien, je vous laisse poser votre dernière question. Bien, vous remerciez votre moi futur parfait, vous le saluez. Et le paysage s'estompe progressivement, s'efface progressivement. Vous reprenez bien conscience du va-et-vient de votre souffle dans les voies respiratoires. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée. Merci d'avoir suivi avec moi cette séance. Au revoir et à bientôt.